Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va s'intéresser aux events qui ont lieu pour l'anniversaire sur les pages communautaires, au nouveau ou pas nouveau système de matchmaking. Est-ce qu'il a été revu? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et je vous invite également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, premier lien en description de toutes les vidéos, à droite sur l'overlay, vous connaissez tout ça par cœur, lien de la chaîne secondaire en description également, vous savez bien évidemment tout ça. Regardons avant cela les events toujours en cours qui ont pop, parce qu'il n'y a rien qui a pop en fait, et c'est assez étonnant car regardez le calendrier des events, c'est totalement vide. J'ai été voir sur mon compte sur le 1002, c'est pareil, hein, il n'y a rien non plus, on n'a rien qui est annoncé. Alors, est-ce qu'on va avoir un enchaînement des events saisonniers? Est-ce qu'on va avoir des events pour l'automne qui vont s'enchaîner avec les events anniversaires? C'est tout à fait possible dès la semaine prochaine, mais ça voudrait dire un patch très rapproché. On va voir ça rapidement, mais ça ne serait pas étonnant. Sinon, toujours la roue de la chance. N'oubliez pas, essayez d'aller au maximum à 10 tours. On va voir, est-ce que j'ai de la chance et des étoiles? Une sculpture, c'est tellement rare que j'ai une sculpture à la place d'étoiles. Il reste un jour, 18h, 19 minutes et 50 secondes. Allez à 10 tours, hein, si vous le pouvez. Faites tous les jours votre tour gratuit et votre lancer à 50%, deux fois une tête. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça doit être la journée de la chance. Du coup, je vais faire mon lancer 5 fois, on va voir, demain je ferai peut-être qu'un lancer une fois, on va voir, je fais deux tours, j'ai deux têtes, faut voir, une sculpture générique, c'est parfait, qu'est-ce qui va me donner encore une autre sculpture, magnifique, qu'est-ce qui va me donner 8 sculptures, non, des accélérateurs, on s'en fout, enfin l'entraînement, c'est pas mal, il me redonne encore une sculpture, donne-moi 8 sculptures, ce sera la top de ouf, ah non, j'y ai cru quand même, bon, c'est pas mal, hein. J'ai eu 3 sculptures, moi c'est bien au-delà de ma moyenne habituelle qui est en carton, donc je valide du coup, hein. On est détente, une bonne journée. Est-ce que vous allez avoir autant de chance ou pas que moi? D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup disent, on en parle souvent et je vous montre souvent l'ouverture de coffre, beaucoup disent que les coffres ont été patchés et se plaignent des ouvertures en carton. J'ai de nouveau 18 clés aujourd'hui. Non, je n'achète pas de clés. Oui, il y a énormément de coffres en or dans mon alliance. C'est pour ça que vous avez tout le temps des ouvertures de coffres. Les mecs achètent tellement de coffres que je peux vous faire des ouvertures régulières. Donc, ouvrons 18 clés. Je vous le rappelle, la moyenne, 18. Si on a 18 sculptures en or, c'est un bon tirage. Si on en a moins, c'est pas un bon tirage. Si on en a plus, c'est un excellent tirage. Regardons tout de suite. J'ai essayé plein de stratégies. Hein. L'ouverture des coffres en argent avant, des coffres de clés en cristal, etc. Rien ne semble fonctionner pour ma malchance. Regardons. Bon, 18 clés, j'ai 12 sculptures. C'est tout naze, mais regardez, je n'ai aucun commandant de farm, donc je ne vais pas me plaindre. Je préfère un tirage un peu naze comme ça, sans 20 statues de Cléopâtre, que l'inverse. C'est tout pour les events en cours in-game, les amis. Regardons tout de suite les events qui sont sur le Discord de Facebook liés à l'anniversaire et les infos qu'ils nous donnent. Vous allez voir, c'est assez intéressant. A few moments later. On se retrouve donc sur le Discord officiel de Rock et regardez déjà, on a une section officielle média où ils nous ont donné quelques informations. On l'a vu, ils étaient contents, on avait passé, je sais plus, c'était les 100 millions de gouverneurs, si je dis pas de bêtises, hein, un truc comme ça, ou 10 millions, mais je crois que c'est 100 millions de gouverneurs. Donc ils nous avaient donné des récompenses pour fêter ça. Et regardez, on a une autre info, ils nous informent que 8 970 millions de troupes ont été, milliards, 8 970 milliards, ah, c'est bon, de troupes ont été entraînées jusqu'à présent depuis les 3 ans de Rock. C'est pas mal du tout quand même, hein. C'est un gros chiffre. Alors après, il faudrait spécifier T1, T2, T3, T4, T5, quelle est la part? Je dirais quand même que le plus gros nombre doit quand même être des T4, hein, et les T5 ne doivent pas être loin, T3, T2, T1. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Mais c'est pas pour ça qu'on est sur le média officiel, le Discord officiel. C'est pour vous montrer cette nouvelle section qui est liée à un event, hein, qui s'appelle Sticker Event. Mais franchement, elle est super intéressante.
Alors, si vous n'avez pas de talent graphique, ça ne sert à rien de participer à cet event. Mais il y a un event qui a été lancé qui consiste à créer un sticker pour Rock. Et les stickers retenus vont pouvoir avoir des rewards hein, jusqu'à 3000 gemmes comme d'habitude. Alors, je pensais que c'était un event, franchement, enfin, de mon point de vue, c'est un event totalement éclaté. Même c'est pas je pensais, c'est un event éclaté. En revanche, il y en a. Il y a certains d'entre vous qui déchirent de ouf et qui ont proposé des stickers de dingue, même mieux que certains graphistes de chez Rock. Il y en a qui ont proposé du lourd. Alors, le dernier, il est tout naze, mais regardez, vous mettez votre idée en fait gouverneur, et vous postez votre sticker, et c'est assez simple. Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Il y a Abus Panda, comme d'habitude, qui en a sorti un très sympa. On le voit, hein. Il y en a, c'est juste des montages, et d'autres c'est vraiment de très bons stickers. Ça par exemple ML Schlong, c'est un vrai stickers. Pareil Rebull, c'est un vrai stickers. Enfin, il n'y a pas le fond, ça c'est un vrai sticker. Jib, ça keep rocking, il déchire son stickers. Pareil Abus Panda, alors même si Abus Panda est très talentueux, là son stickers, même s'il est très bien fait, je le trouve moins bien que celui de Jib. Par exemple celui de Jib est vraiment vraiment de bonne qualité. Et donc un peu tous les joueurs participent. Pareil, hein, celui de Toss est sympa. Si vous vous sentez l'âme d'un graphiste, hein, vous pouvez aller participer. Sachant que, bon, vous le voyez, hein, une grande partie sont éclatées. Et sachant qu'ils vont tirer au sort, regardez, c'est précisé. Les règles, vous avez jusqu'au... Ah, bah c'est fini, regardez. Will run. Ah non, pardon, ça finit, ça a commencé le 27, c'est fini. Le 4 octobre, donc vous avez encore le temps. Et le top 10 aura 3000 gemmes. Donc les 10 premiers 3000 gemmes, c'est énorme. Ça vaut le coup d'aller participer et même faire un truc éclaté. Hein. Vous avez une chance d'être tiré quoi qu'il arrive, même en étant éclaté, sachant qu'ils vont retenir les 50 premiers jusqu'au 50e, vous aurez 500 gemmes. Donc franchement, foncez, allez le faire. C'est tout bénef, c'est quasi... Regarde, c'est pour ça que les mecs lâchent des trucs éclatés. Hein. Ils s'en tapent du moment qu'ils sont tirés au sort. Ils vont être très très bien. Et comment c'est tiré au sort? Ou regardons la règle. La la la, summit, blablabla. Comment ils vont... Est-ce qu'il y a un tirage au sort? Top 10 sticker, on ne sait pas. Les 10 premiers vont être ajoutés au Discord. Ça, c'est sympa. Et on peut envoyer plus d'une proposition. Et non, il n'y a pas écrit comment ils vont les retenir. Il n'y a pas écrit comment ils vont sélectionner les 50 premiers. Ou sinon, je ne le vois pas. Les amis, sur cet event sticker, c'est tout. On va retourner in-game. On revient donc in-game et on va parler KVK et matchmaking. Alors déjà, pour le KVK, je vous avais parlé du KVK de la mort, hein, où il va avoir le 12-54, le 18-46, le 15-56 qui vont être en lutte des 8. Et je vous ai dit qu'on va peut-être en faire partie et ça serait oufissime. Il s'avère qu'apparemment, mon serveur 1256 va s'inscrire en hymne héroïque. On a reçu un mail in-game hier qui nous explique que, alors hop là, expectation. Alors vous avez vu Berserker Explanation, c'est parce qu'on a un joueur qui a dépassé largement le quota pour le FGE alors qu'il n'était pas classé. Et donc regardez, est-ce que c'est écrit ici qu'on va aller en achat? Non, c'est pas spécifié dans ce mail qu'on va aller en achat, mais apparemment on irait, je dirais bien apparemment on irait en achat, mais peut-être en lutte des 8, donc je ne sais pas, cette information est non fiable. Mais en tout cas, vous le voyez, ça commence à se préparer même sur mon serveur et on commence à tomber avec les puissances. Vous le voyez, à ma puissance, 102 millions, je devrais faire 30 millions de kills et 2,5 millions de deathpunch. N'hésitez pas, je suis curieux de savoir sur les royaumes, sur vos royaumes, à me mettre en commentaire si vous avez des minimums requis comme ça, tous les gros royaumes en ont normalement. Et quel est-ce celui qui est requis sur votre royaume hein, pour votre puissance? Et aussi, donnez-moi un exemple pour ma puissance ou le tableau complet. Ce sera intéressant de comparer. Beaucoup d'entre vous posent des questions sur les exigences des royaumes. Et bien, vous le voyez, un gros impérium. On est 10e impérium, je crois, ou 9e à présent maintenant. Voilà ce qu'on demande. Si vous avez plus de 80 millions, c'est 15 millions de kills et 1,6 million de morts. Plus de 100 millions, 30 millions de kills, 2,5 millions de morts. Donc, je vais devoir faire 30 millions de kills et 2,5 millions de morts. Alors, les 2,5 millions de morts... C'est pas un problème pour moi, je pense que je vais en faire 3,5 ou 4 comme à chaque KVK. En revanche, les 30 millions de kills, c'est vraiment très long en open field et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à 30 millions. Évidemment, je ferai mon maximum. Les kills, il n'y a pas de souci. Je me mets en défense, je me mets dans tous les rallyes en attaque. Donc, ça sera sans problème. Je pense que j'y arriverai. Allons donc voir cette histoire de matchmaking qui me semble avoir été patchée.
Puisque, regardez, je regardais les KVK pour vous en présenter, pour vous montrer ce qui va se passer. Et j'ai commencé à regarder la saison 2, on n'a que des KVK en 32 jours, donc je me suis dit, je vais aller voir les derniers KVK pop sont en saison 3. Saison 3, Light and Darkness, Lumière et Ténèbres, ils en ont pas mal qui ont pop à 7 jours, hein. Il y en a 4 ou 5 si je dis pas de bêtises, il y en a 4. Et je trouve que par rapport à avant et les derniers KVK que je vous ai montrés, le matchmaking a l'air légèrement différent, donc je me demande s'il n'y a pas eu une modification. Regardez ces 4 KVK, hein. Je vous le rappelle, il y a le système d'Imperium et on n'a aucun KVK abusé. Alors je peux tous les ouvrir comme ça, vous allez voir que les autres ne sont pas à l'ouest. Hein. Je les ouvre tous et ils ont perdu ceux qui étaient Imperium, le statut Imperium. Mais je referme et on va s'intéresser qu'à ceux qui sont actuellement à 7 jours, 5 heures, 51 minutes et 28 secondes très précisément. Regardez ces 4 KVK. Pas d'Imperium dans le premier, pas d'Imperium dans le second, seulement un Imperium dans le troisième et seulement 2 Imperiums dans le dernier qui a pop il y a une semaine. Et regardez, c'est saison 3, c'est l'Imperium parmi les 8 royaumes les plus puissants en saison 3. Donc vraiment, j'ai été étonné. Il faut savoir que les dernières fois et les derniers KVK que je vous ai montré en saison 3, c'était totalement éclaté. On va aller voir hein, pour comparer celui-là où il y a 2 Imperiums, le S3-10-50. Et on va regarder si on a bien une bonne répartition. Et regardez, hein, on a bien récupéré comme c'était avant. Le 21-76 en 1 est le plus gros normalement. Et en parallèle en 8, le 21-91 est le deuxième plus gros face à lui. Donc ça a l'air très cohérent, j'ai été surpris hein, de retrouver cette cohérence dans le matchmaking. Il faut savoir que ces derniers temps, le matchmaking était totalement éclaté, franchement, avec le nouveau système d'inscription. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver un petit moyen? Est-ce que c'est suite au dernier patch, rappelez-vous, où maintenant dans le matchmaking, les hôpitaux, même pleins, sont pris en compte? Est-ce que c'est dû au fait aussi qu'ils ont changé leur algorithme? Ou c'est dur à dire ça, algorithme? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Regardons au niveau des forteresses croisées, puisqu'elles sont occupées au bout de 7 jours, hein, où on en est. Elles sont occupées, mais en construction. Donc, on voit, c'est les WBF. Ils sont à 10 milliards et demi, 10 milliards 592 millions. Donc c'est une très belle alliance pour un KVK saison 3. Donc c'est le plus gros face à eux en forteresse croisée. Voilà, je le trouve en scellant. Donc 10 milliards 5, c'est le plus gros. On a 10 milliards 900 millions. Donc en termes d'alliance numéro 1, les T91 sont les plus gros. Donc le 21-91 est plus gros sur ce numéro 1. Mais au cumul, ils vont forcément être en dessous. Ça semble équitable. Hein. 10 milliards, des deux côtés 10 milliards et demi, 11 milliards, c'est parfaitement équitable. Voyons au niveau des alliés, puisqu'ils ne sont pas tout seuls. Deuxième forteresse croisée, les alliés du royaume qui est impérial et censé être plus puissant. 7 milliards 7 pour l'alliance la plus puissante. En parallèle de ça, on devrait retrouver alors son binôme le plus puissant. Est-ce qu'ils l'ont mis en face ou est-ce qu'ils l'ont mis à côté? On va voir ce qu'ils leur ont mis à côté, qui va être leur ennemi direct, hein, ça sera plus simple. Donc 7 milliards 7, et il faut que je retrouve la forteresse croisée, elle est où? Elle est où? Elle est là. Ils n'ont pas de couleur unifiée pour le moment, eux non plus. 7 milliards 7, 9 milliards 1, donc là du coup, il a l'air plus puissant celui-là. Mais je dirais que celui à 7 milliards 7, ça serait plutôt donc celui qui va être là, cet allié-là. Donc en tout cas, vous le voyez, hein, on a déjà des belles alliances et 9 milliards 3, non, elles ont l'air plus puissantes. Donc c'est intéressant car on constate que bien que le plus puissant est placé en Benguela, ces deux alliés, les deux alliés du rouge semblent, du 21-91, semblent ne pas plaisanter du tout. Regardons donc ce qu'ils ont en deuxième, en dernier même allié sur le côté. À combien va-t-il être? S'il est encore à 9 milliards, ça va être énorme. 8 milliards 2. Donc il est un petit peu plus petit en termes moins puissants, en termes de puissance de la plus haute alliance. Regardons les deux derniers royaumes pour pouvoir se faire un avis sur ce matchmaking. 7 milliards 4. Et à côté, le jaune, lui, va être tac. Il faudrait qu'il soit au moins 9 milliards pour que ça paraisse plus équilibré. 5 milliards 7. Alors, c'est vraiment super intéressant. Le matchmaking a l'air, donc de mon point de vue, d'avoir été refait et optimisé. On a le royaume jaune, violet, rose et
celui qui n'a pas encore de couleur unifiée, le plus gros d'ailleurs, ces quatre royaumes-là sont censés être équivalents aux quatre autres, mais celui qui est en haut à gauche, en Benguela, est censé être le plus puissant. Et on le voit en termes de puissance de l'alliance la plus puissante, hein, les quatre royaumes face à eux et en alliance avec le 21-91, le rouge, le bleu, le sans couleur, la couleur multiple parce qu'il n'a pas encore de couleur unifiée, et le vert, semblent eux, au contraire, être, de toute façon aucun n'a une couleur unifiée, hein, semblent être sur le papier plus puissants en puissance de la plus haute alliance. On va suivre ce KVK comme d'autres, puisqu'il a un petit peu d'avance, hein, sur nous, et puis il est en Light and Darkness. Mais j'ai vraiment l'impression que le KVK, le matchmaking, a été refait. On va le voir avec le pop des futurs KVK, même si le KVK auquel on va participer, le KVK de la mort, sont un petit peu des KVK, je dirais, truqués en matchmaking, puisque certains royaumes ont retardé leur inscription, donc on va forcer le robot qui nous met derrière en, les uns contre les autres, à prendre en considération nos puissances avec ce qui reste comme, comme allié ou comme royaume. Mais là, quand on ne le force pas, ça a l'air d'avoir été vraiment optimisé. On ira voir, hein. J'ai regardé au niveau de la saison 1, où il n'y a pas de matchmaking, et la saison 2, mais vous le voyez, le royaume en saison 2 sera 35 jours, 5 heures, 56 minutes et 56 secondes, donc c'est pas très intéressant d'aller les voir, puisque c'est fini et c'est un ancien système de matchmaking. Et vous le voyez, hein, sur ce genre de royaume, on se retrouvait typiquement, c'est pour ça que je pense, hein, c'était il y a un mois, le matchmaking a été fait il y a un mois et une semaine, on le voit, les mecs, regardez, on se retrouve avec 5 Imperium sur le même KVK. Donc est-ce que ça a été revu que pour la saison 3? Est-ce que ça a été revu pour la saison 3 et la saison 2? On ira voir ça, je vais suivre ça dès que ça va pop. Ça va pop dans pas longtemps, normalement, les amis. D'ailleurs, regardez, certains ont dû déjà pop en lutte des 8. Est-ce qu'on a eu des nouveaux pop 7 jours pareil? Regardez, dans ceux qui ont pop, par exemple, en lutte des 8, hein, il n'y a pas d'Imperium. Alors, il faut dire que les gros Imperium se sont tous retenus pour s'inscrire tous ensemble. Enfin, tous, pas tous, mais une grande partie. Donc, vous le voyez, il n'y a aucun Imperium. Donc, ça semble équitable. En Marche des Âges, ben, le Marche des Âges est fermé puisqu'il est en train d'être patché et amélioré. Et en Hymne Héroïque, hein, c'est pareil. Hein, on est sur du 7 jours, 5 heures, 57 minutes également et 58 secondes. Et pareil, on a deux Imperium. Mais on n'a pas de gros déséquilibre. Du moins, on ne semble pas en avoir. D'ailleurs, regardons les deux Imperium. Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? 17,86. Il est en haut à gauche en feu et 18,92, il est en bas à droite. Non, non, ça semble vraiment équilibré. Ils ont vraiment l'air d'avoir fait un taf sur le matchmaking. C'est ultra intéressant. Est-ce qu'ils vont réussir à empêcher les gros royaumes, hein, comme le 12,54, le 18,46, le 15,56, etc. à forcer encore une fois la main et à se retrouver tous sur le même KVK, même s'il peut avoir des disparités. On va voir ça, les amis, mais en tout cas, ça me semble vraiment très intéressant. Ils ont l'air d'avoir vraiment fait un gros taf. Hop là. On retourne tout de suite sur mon KVK, sur mon royaume plutôt. Et on va plutôt... Ouh là là, c'est vraiment, vraiment dur aujourd'hui. Je vais finir en vous faisant un petit 5 tours quand même parce que je vais aller chercher... Alors, on va ramasser ça. Un petit 5 tours de la roue de la chance parce que je me suis dit... Il y a vraiment trop là de tête en or qui tombe. On va refaire 5 tours. Comme ça, j'aurais fait mes 10 tours aujourd'hui. Ça serait dommage de passer à côté de tout. Allez, c'est parti. On finit avec 5 tours et on va voir si j'ai encore de la chance ou si j'aurais dû profiter du tirage tout à l'heure. De la nourriture, c'est tout naze. Une sculpture, c'est de la balle. De l'or, je vais avoir des étoiles quand même. Là, ça sent. Une deuxième sculpture, c'est pas mal. Vous le voyez donc, ah, et des étoiles, je ne pouvais pas finir cette vidéo avec une roue de la chance sans étoiles. Alors c'est une roue de la chance, celle-là cette fois, elle est un petit peu naze. On va dire ma petite chance, hein, parce que c'était pas grand-chose à tourner. Et cette fois donc, c'est fini. Moi, je pense que, hop là, je récupère les sculptures, c'est gratuit. Je pense que j'irai au 25 tours. Allez, on sort de là. Est-ce que je peux invoquer Shiok? C'est ça qui me dit? Non, je peux juste... lui donner un niveau supplémentaire, ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, comme ça, il est en 3-0-0-0. C'est super, il ne sert à rien. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.
stop.